Et bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors on se retrouve pour l'épisode 4 directement de Alice Retour au Pays de la Folie. Bon, je commence sans plus attendre, hein, parce que bon, on va quand même avancer un petit peu dans le jeu de manière relativement sympathique. Et bien voilà, je voulais vous parler d'un truc dans le dernier épisode que j'ai complètement zappé. En fait non, je sais plus, c'est pas grave. Voilà, on verra pour le prochain épisode, hein, quand j'aurai révisé mes fiches. Putain, quel noob je suis. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, ce mec est nul. Hein. Mon dieu, je vais mourir. Alors Lidl, tu vas tomber Lidl. Par où je vais là? Par là. J'aimerais... Comment appeler un... une terrerie? Un endroit où on fait du thé? Je sais pas. Baraté. Bref. Cuché. Ah, un nez de cochon. Poivron le nez de cochon. Mon dieu. Poivron le nez de cochon. Ah tiens, une bouteille, un message. Que se passe-t-il? Un message à aller chercher. Allons-y. Ramasser la bouteille. Nous avons ramassé la bouteille. Because nous avons un peu de délire. Ramassons la bouteille. Toujours bien la bouteille. Qu'est-ce que je fais? Je traite de taper des coffres. Du métal. Hein. Nous rentrons au plus profond de la demeure du chapelier. Pour se donner un nez de cochon là. Il est en dessous trop de balles. Ce qu'on va faire. Parce qu'on n'est pas les nuls là, nous. On va faire comme ça. On va tirer dans ce nez de cochon. Absolument dégueulasse, qui nous ouvre un petit passage pour aller rechercher une mémoire, je pense. Ce qui fait qu'on progresse bien, on ne rate rien, je pense, pour le moment. On va essayer de rien rater, on va essayer de le faire à 100%. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. Eh bien, écoute, voilà. Tant pis, hein, c'est triste, sa grande sœur n'était plus en âge de jouer. Parce que pourtant jouer c'est cool, après ça dépend à quoi, avec qui, comment, hein, bien sûr. Non, je ne fais allusion à rien de spécial, hein. Dit-il le plus détendu du monde. Nous arrivons dans la demeure du chapelier. Putain, ce jeu est trop bien, en vrai, ce jeu est trop bien. Alors, c'est-à-dire nouveau biome, nouveaux ennemis. Les faiseurs de terre. Et voilà, enfin, ceux-là sont vraiment un peu relous, hein. Faut vraiment les avoir tirés dessus, puis après faut aller au cac. Ce qui est bien, c'est que le dash est vraiment super méga utile. Ah, c'est pas trop stylé, franchement, ça. Les mecs qui ont créé ce jeu sont forts. Ce qu'on va faire là, vu que le bazar qui fait buter est très très relou à tuer, on va d'abord tuer son compatriote, le globule. Alors... Faites ta gueule, voilà, on a un petit dash pour esquiver le coup. Tire dessus, on dashine. Une fois qu'on les met trois coups, on dashot. On continue à tirer. Dès qu'il va ouvrir sa gueule, on redashine. On le finit, ce connard. Et voilà. Au rondement mené, les amis. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'essaie de récupérer son œil? Je ne peux pas récupérer son œil. C'est par là, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. On continue, alors on avance, on a peur de rien, on continue, plus vite, toujours plus vite. Là-bas, il y a un copain théière. Faut vite le tuer avant qu'il y ait le deuxième qui commence vraiment à poser problème. Ouais, c'est vraiment focus que le copain théière. Ça, dès que lui est mort. Voilà, on est bien là, non, on est bien. Ouais, ça se passe plutôt parfaitement bien. Exactement comme on a envie. Voilà, on dash out. On redash in. On lui met tout dans sa gueule. Détends-toi là, c'est... Ah ! Voilà, on redash in et on le termine là. Voilà !
Oh putain. Oh putain. Oh putain le futur. Oh putain putain. Prends sa lumière. Ah. Pressé par le temps, trouve-le, ou tu en seras à court. D'accord, le chat. Que se passe-t-il ? On va lire le chat. Le chat est plutôt gentil. Le chat, c'est une aide. Bon, je sais pas comment expliquer le chat d'aller sauver les merveilles. C'est quelqu'un de... Franchement, ouais, le chat, c'est... D'accord. Ah, d'accord ! Je suis mort. Ouais, c'est bon, là. Le chat est quelqu'un de sympathique, de gentil, mais en même temps de fourbe. Il ne... Non ! Non ! D'accord. Alors, est-ce qu'on est nul ou pas ? Ah si, je sais ce qu'on doit faire. Non. Pas du tout. En fait, je suis nul. Ah, je sais. Regardez. Regardez, regardez. Hop. Je me suicide. Ah merde, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ah, je sais. J'ai trouvé. Bon, c'est technique de manouche, hein, mais bon. C'est comme ça. Là, on tape un suicide. Ah, quoi ? Oh non, je suis pas qu'il y a dans le décor. Oh là là. Oh, le loser. Oh, le loser. Mon Dieu. Mon Dieu, que je suis mauvais. On va se bloquer comme ça sur une petite phase de plateforme. Putain, mais comment j'ai fait ? Voilà, c'est très bien comme ça. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Je suis vraiment nul. Putain. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. On va faire un petit planage de notre compagnonne. Bien sûr, un compagnon ou une compagnonne. Je ne sais pas si vous saviez, mais très important. Alors, est-ce que je peux monter ? Pas du tout. Pas du tout, donc on va continuer tout droit. On s'engouffre un peu plus dans la demeure du chapelier. Un homme omnubilé, je sais pas lire. Pas obnubilé, obnubilé par le thé. Pour lui, c'est toujours l'heure du thé. Du coup, c'est pour ça qu'il boit toujours du thé. Hein. Si vous saviez pas, voilà. Pour les chapeliers fous, c'est toujours l'heure du thé. Ce qui est drôle avec en jouant à un jeu comme ça, c'est qu'on pourra, on peut raconter des conneries, mais qui sont vraies en fait. Du coup, c'est pas des conneries, genre. Enfin, on s'en bat la race que c'est toujours l'heure du thé. Alors. Ça paraît what the fuck, justement, ça l'est. Est-ce que ça coupe le... D'accord. Est-ce que je peux aller en arrière? Parce qu'il y avait une porte derrière, j'ai pas été. Donc on va y aller, on ira là après. On va retourner dans cette zone-là. On va dash. Dash, 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 pour aller plus vite. Trop stylé, hein, cette dash, franchement. Beaucoup trop classe, beaucoup de loot, de style par là. Tchoup. Tchoup. Espérons qu'il n'y ait pas deux chemins différents. D'accord, je pense qu'il y a deux chemins complètement différents. Ah non. Voilà. On va faire ça complètement l'aveugle. Moi je suis pour. Alors. Non, en fait on les voit un petit peu avec une petite paillette violette là pour signifier les plateformes. Ah, une bouteille gueule. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. En vrai, j'en sais rien du tout. Donc on a ramassé notre bouteille gueule, là on va sauter, on va planer jusqu'à la sortie. Putain, c'est juste, hein. Ce qui est bien, c'est que les papillons sont violets quand vous volez, et les papillons sont bleus quand on ne vole plus. Enfin, quand on dash. Qu'est-ce que je raconte, moi, bordel? Je dis des conneries, conneries. Tout va très bien. Que se passe-t-il donc? Ah, je vais dans le mur. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. Que se passe-t-il? Il y a du thé brûlant qui nous tue. Bien sûr, on meurt en étant tué par du thé. Ah, toboggan. Toboggan, toboggan. Que se passe-t-il? Où arrivons-nous? Où arrivons-nous? Le lapin blanc ?
Ça a explosé ou pas? Bon, on va ramasser les dents. Et après cette petite phase, on va... Alors, certains murs en plancher sont assez fragiles pour être détruits. Placer une chronobombe à proximité d'un mur fragile déclenche la chronobombe pour détruire la surface fragile là. Et bien d'accord. B pour lancer une chronobombe. Genre là. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, je suis mauvais. Très bien. Là par exemple. Pas du tout. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord. D'accord. Allez, pète ton mur. C'est vrai que j'étais un peu déçu en arrivant ici la première fois. Hein. Parce qu'on me dit bombe. Moi j'attends une explosion énorme. Là c'est une petite explosion de lapin. C'est plutôt marrant. Lapin blanc qui se transforme en bombe. En retard, toujours en retard. Ah, un petit passage secret. On a bien fait de venir ici. À gauche, tout droit, tout droit. Nous allons tous brûler dans nos lits, Alice, à cause de la passion dévorante de ton père pour les journaux. Tout cet amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle. Et pouf, nous ne sommes plus que fumée et cendre. Si vous n'aviez pas compris, la maison d'Alice a brûlé, tuant toute sa famille sauf elle, ce qui l'a rendue complètement folle, parce qu'elle dit s'être réfugiée dans le pays des merveilles, et au final elle se réveille dans un asile de fous. C'est trop la merde. Donc voilà, cinématique. Notre bibliothèque était un piège. Voilà. Tiens, un spoil. Un incendie prêt à se répandre. La tête d'une vie cellule. Je sais pas ce qui se passe. Que se passe-t-il donc ? Alice, trop stylé, hein, son petit costume comme ça. C'est sympathique. Voilà, des monstres. Beaucoup de monde. Alors, on peut devenir hystérique. On appuie sur entrée, sauf que je joue avec une manette, on peut pas appuyer sur entrée. Ok. Ok. D'accord. Ah oui! Je suis mort? Oui, je vais continuer, bordel. Pourquoi je meurs? Mais j'étais plus live, bordel. LS. Left stick. Et voilà, putain, alors ce mode il est tellement stylé. Là vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'adore ce jeu. Parce qu'il est complètement décalé. Crève, charogne. Trop classe. Franchement, j'adore. Je suis ultra fan. Alors, passe à mode visée, appuie sur T. Tire sur l'interrupteur quand il est rouge, il est inactif. Lorsqu'il est vert, il est actif. Ah bon, elle est bonne celle-là. On va charger le. Là. Sacré interrupteur. Non. Réveil? Non. Cauchemar? Non. Mauvais rêve? Bonne nuit! Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, hein, quoi? Mais pas à ce point. Oh, c'est toi! Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à... vos autres membres? Perdus, tu vois. Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive,
Tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place, après tout, et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place? Et comment y rester? Maintenant, que se passe-t-il? Ah, voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les narines, par le gosier. Par le gosier. Mon père était passionné par les trains, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voix, ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernal. Ah, bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'asile. Tu le sais. Et le plus dur. Je n'ai plus de thé. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour. Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Et bien voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode d'Alice. Retour au pays de la folie. Donc, et bien moi, je vais vous quitter là-dessus. Encore une fois de plus, allez sur Facebook, Twitter, on vous attend. Gecko012 sur Twitter, GeckoZGaming sur Facebook. On est sur Google Plus, on est sur... C'est tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi dans les vidéos, vraiment important, hein, des commentaires, dites ce que vous en pensez, dites si vous trouvez le jeu nul, si vous trouvez le jeu bien, si vous trouvez qu'on est nul, si vous trouvez que c'est cool, si vous trouvez que c'est intéressant, que c'est drôle, c'est machin, c'est sympathique, c'est bonne ambiance. Dites ce que vous pensez, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir des amis à nous qui font des choses vraiment très très sympathiques. Donc il y a, pour ne pas vous les citer, il y a Babas In Game qui est une chaîne YouTube et fait des vidéos qui sont vraiment vraiment très très drôles. Qui sont beaucoup plus travaillées que ce qu'on fait nous, hein, vraiment, il fait un travail de malade. Il y a Zugma Gaming qui lui est plutôt collectionneur, donc il vous fera des présentations et d'objets qui va acquérir ici et là. Que j'ai regardé, que c'est plutôt vraiment très sympathique, celui sur le Monopoly de WoW, hein, que j'aimerais énormément, c'est un très grand joueur de WoW, qui rend trop stylé. Le dernier, c'est Flozuki Gaming, qui fait des vidéos, des let's play, etc. Un peu comme... comment on fait nous, je pense, je ne dis pas de bêtises. Vraiment, vraiment cool à suivre aussi, donc n'hésitez pas à aller leur faire un coucou, hein, ça leur fera plaisir. Bien, en tout cas, moi, ça fait plaisir encore de jouer à ce jeu. Je suis en train de courir dans tous les sens, c'est extrêmement relou. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous laisse sur la tête d'Alice, complètement folle. À plus.